Alors j'ai commencé à attribuer des shifts à mon équipe et pour voir ce qui a été attribué, le nombre d'heures qui a été attribué, on le voit ici. Donc là, il y a le nombre d'heures par jour et même par semaine. C'est-à-dire que là, si j'ajoute un après-midi, donc là, ça a augmenté 45 heures et là, j'ai 144 heures.